Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux données que nous récoltons, les données Criteo que nous avons mis dans un rapport qui s'appelle le Mobile Commerce Report, 21% des transactions digitales se font sur mobile. Nous savons aussi que 46% des transactions digitales sont cross-device, ça veut dire qu'elles impliquent au moins deux écrans différents. Elles débutent sur un écran, sont finies sur un autre, ou alors il y a un autre écran qui vient pour influencer l'acte d'achat. Ça veut dire que la notion de continuité d'écran est vraiment indispensable dans la compréhension du parcours utilisateur. Et cette compréhension, on doit s'en servir. Un, pour arriver à construire un parcours utilisateur optimisé, en accompagnant l'utilisateur au travers des différents écrans qu'il utilise. Et deux, pour avoir une mesure efficace de la performance des investissements marketing. Sur quel écran je dois investir, comment ? Nous savons que 46% des transactions impliquent au moins deux écrans différents. Évidemment, très souvent, c'est le mobile qui est un de ces écrans-là. Dans certains cas, c'est lui qui est l'ouvreur, c'est lui qui permet de faire découvrir le produit, il intervient en amont. Et dans d'autres cas, il intervient en aval, c'est lui qui est le closer ou le convertisseur, c'est-à-dire que c'est sur lui que s'opère la transaction. Or, nous savons que sur les transactions cross-device, sur les transactions qui impliquent au moins deux écrans différents, dans 23% des cas, la transaction se termine sur le mobile. Et donc, ça remet en question l'idée reçue, comme quoi il n'y aurait pas de transaction qui se ferait sur le mobile. S'il y en a, et même quand il y a plusieurs écrans, le mobile peut intervenir comme convertisseur. Donc, on sait maintenant que le mobile intervient à toutes les étapes de la conversion, en amont du funnel ou en aval du funnel, et que donc, le rôle central qu'il a dans le digital devient aussi central dans le cycle d'achat digital. Comme il y a de plus en plus d'écrans, les frontières marketing deviennent de plus en plus floues. Et pour arriver à bien construire une bonne stratégie marketing, il faut essayer d'adopter une vision unifiée en alignant ces différents écrans. Quand on parle des digital natives, il faut même partir du mobile. Ça veut dire qu'ils préemptent un peu les autres écrans. Pourquoi ? Déjà parce que beaucoup d'entre eux sont mobile only. C'est-à-dire qu'ils ne surfent sur Internet que via leur mobile. Pour les autres, s'ils ne sont pas que mobile only, vraiment le mobile domine. Ils surfent tout au long de la journée avec le mobile, ils l'ont en permanence sur eux et n'hésitent pas à s'en servir. Ça veut dire quoi en termes d'implication marketing ? Ça veut dire que le site mobile ou le site de tablette ne peut pas être une réplication allégée du site d'ordinateur. Il doit être au moins aussi efficace et en plus on doit lui rajouter des attributs en prenant en compte le fait que cet écran, quand c'est le mobile, ce site sur le mobile peut influencer des comportements sur d'autres écrans, voire peut influencer des comportements offline puisque le mobile et en particulier pour cette génération, est vraiment le point de contact entre le monde online et le monde offline, entre le monde digital et le monde physique.